Total Party Kill. Celui-là, les amis, à mon avis, il va en séduire plus d'un. Après, peut-être que je me fais des idées, hein, on sait pas. Le son n'est pas trop fort, c'est bon. Salut Vigie, et bienvenue à tous ceux qui arrivent. On teste notre deuxième jeu du jour qui est Total Party Kill. Apparemment, un jeu de plateforme et d'énigmes. On peut enlever les publicités? Est-ce qu'on testerait pas ça dès le départ? Ah, j'ai cliqué, ça a rien fait. Ah! Scure! Salut YouTube! Aujourd'hui, on teste Total Party Kill. Tu vas bien? Regarde, c'est un jeu de plateforme avec des énigmes, il paraît. Mais je sais pas. Je viens juste de lancer le jeu. Alors, c'est parti. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà ce jeu ou pas du tout? Your party enters a deep and dark dungeon. To reach the great treasure, sacrifices must be made. Ok. On rentre dans les donjons et on va devoir faire des sacrifices avec notre équipe pour pouvoir aller récupérer le trésor. Donc, oh là. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais me déplacer selon les schémas qui sont indiqués. Ah non, tu joues avec les flèches. Ok. Ok, tu joues avec les flèches. La flèche du haut, c'est pour sauter. Très bien. Ça, c'est pour changer de personnage. Ah ouais, ok, yes. Ok. Ok, vous avez compris le principe. La touche du milieu, tu changes de perso. Gauche, droite, les flèches. Et là pour sauter. Et là pour... hop là. Pour tuer tes potes. Manifestement. Il est mort? Oh, il est mort. Yes. Ah, j'ai à peine commencé, j'ai déjà tué un perso. On est bien ou pas? Ah, on est bien. Non, c'est bon. Il repop. Ah, mais il y en a que deux. Ah, peut-être qu'il n'y a pas tous les personnages à chaque fois. Ah, en tout cas, la musique, j'aime beaucoup. À l'ancienne. Alors, ok. Donc, je suppose que si on va sur ce truc-là, on meurt. Voilà. C'était sûr. Ah, il nous a indiqué comment on peut rejouer le niveau. Ah oui, là-haut. Ok. Salut Guindou, bienvenue à vous. Ok, donc là, il indique que on peut faire sauter notre pote en lui mettant un coup d'épée, c'est ça? Ah, tu sacrifies ton pote. Tu sacrifies ton pote pour pouvoir continuer le donjon. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, j'adore cet esprit coopératif. Là, ils nous disent quoi? Le magicien, il fait de la magie. Alors, fait de la magie? Ah, mais pas comme ça. Ok, c'était pour vérifier. Alors, on va... Ah oui, mais... Est-ce que si je le fais tomber d'abord... Et que maintenant, je fais ça... Ça marche pas du tout. Et si je fais ça... yes. Vous savez à quel point je suis forte au jeu d'énigmes. Alors. Ah mais si on le gèle d'abord et après on le pousse. Ah bah voilà, tout bêtement. Non. Oh la touche de saut. La touche de saut quoi. Est-ce qu'on peut sauter comme ça? Oh, comment on fait? Ouah, c'est dur. C'est très dur à contrôler. Hein. Allez. Oh non, 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 non. Ça tu bluffes. Tu bluffes, Martoni. Peut-être qu'il faut prendre de l'élan. Oh! Je vais pas passer 1000 ans sur niveau 1. Ah, c'est le temps d'apprendre à maîtriser le jeu. Donc, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas courir et sauter. Il faut d'abord sauter. Réessaye. Donc, mettons-nous au bord. Et non, pas au bord. Comme ça. On va y arriver. On va y arriver. Non, ça va pas. Ça ne va pas. Salut, je voudrais jouer au jeu de manière optimisée. Comment on fait?
excusez-moi, je me suis un peu emportée. Mais tu fais que ça, putain! Regarde, je saute déjà! Quand tu appuies... Regarde, il veut pas. Il veut bien sauter. Et après, tu fais le déplacement. Tu vois? C'est ça qui est dur. Ok. Donc, faut avancer et sauter après. Ok. En même temps, j'aurais pu m'entraîner avant. Voilà, comme ça. Mais si tu fais les deux... Oh, pourquoi ça marchait pas tout à l'heure? Ah, j'ai essayé de faire les deux tout à l'heure. Vous êtes témoin? Non, il n'y avait pas de témoin. Non. Non, monsieur, il n'y avait pas de témoin. Bon, ça reste quand même pas facile. C'est les couettes d'effet, ça ira mieux. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas rechangé, on n'est pas RP. Attendez, faut que je me transforme en magicien. Ils se croisent comment, les magiciens? Ah, on n'est plus très RP. Hein. Voilà, attendez, j'enlève les couettes. T'as raison, l'Iron, ça me siphonne le cerveau. Ça me l'engonce. Il était engoncé, mon cerveau. Voilà, ça va mieux se passer. Allez, c'est parti. Vous avez vu que j'ai cliqué, hein. Vous êtes témoin. T'as vu, la première fois que je le fais, ça ne marche pas. Bon, bah c'est pas trop tôt. Ok. C'était ce que je faisais. Alors. L'ami machin, il fait comme ça. Ok. Donc ça veut dire qu'on va faire comme ça. Ah bah non, j'étais dessus. C'est du bluff. Bluff, Martoni. Très bien, très bien. Oh, faut juste apprendre à maîtriser, hein. Non. Mais laisse-moi tranquille, toi. Non. Non, merci. Ah. Du coup, regardez. C'est normal. Il faut bien rémunérer les gens qui ont fait ce jeu. Alors, regardons des petites publicités. Et en plus, comme ça, ça nous fait découvrir d'autres jeux à tester dans Mobile Home, l'émission des jeux mobiles. Alors. Sauf que ça, c'est le genre de jeu qu'on a déjà vu 50 fois et qu'on fera pas, parce qu'on s'emmerde. Voilà, merci. Alors. Alors. D'accord. Donc maintenant, il faut mixer tout ce qu'on a appris. Pour avancer dans le donjon. Et salut Ridanos, comment vas-tu? Alors, moi je dis... qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait pouvoir monter là-haut. Sur la plateforme. De toute façon, on a besoin que d'une seule personne qui monte. Ah oui, je sais. Je sais. On va faire avancer le rouge. Genre comme ça. Meilleure idée, si vous. Ouais. On va glacer le rouge. Voilà, d'accord. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ou pas? Voilà. On va faire comme ça. On pousse ici. Pas du tout. Après... à mon avis, voilà, tu vois, on peut pas sauter comme ça là. Ah merde, ah non, je l'ai mis trop loin. Mais quelle mule, tu vois, ouais, parce qu'on est gêné. Attends, faut refaire le niveau. Ça va, j'ai faim, j'ai la flemme de me faire à manger. Ah, c'est ennuyant. Alors, glaçons le pote. Ensuite, on pousse, mais pas trop. Genre là, c'est bien. Ok, ensuite, on va là. Ensuite, on change. On va là. Ensuite, on change. Non, dans l'autre sens. Ok. Et ensuite, on tombe ici. On tombe là. On tombe là. Et hop! Voilà. Et comme par magie, tes potes ressuscitent. Et ça, c'est génial. Oh, j'adore ce jeu. Voilà. Ça, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Qui me mange un peu le cerveau des fois, mais c'est cool. Ok, alors, il faut pouvoir ouvrir les deux boutons pour pouvoir...
sortir. Alors c'est facile, on a retenu la leçon. On va faire un de chaque côté. Le bleu, pareil. Le rouge. Est-ce qu'il peut monter là et faire ça? Ok. Après, il fait ça. Ah, est-ce qu'on peut sauter? Et oh là là, c'est beau. Oh le move. Incroyable. Si vous arrivez dans l'émission, c'est Total Party Kill sur tablette, si vous voulez découvrir ce jeu. Alors, alors on est pareil au niveau des boutons. Là, c'est pareil. Est-ce que ça va marcher seulement? Pas sûr. Hein. Si on fait monter le bonhomme ici, par exemple, on prend le rouge. Est-ce que le rouge il est capable de monter jusque là? Oui, en faisant comme ça, oui. Et si je fais ça, ça marche pas. Par contre, il est mort. Donc, faut recommencer le niveau. Salut, Mister Nose. Ah, mais alors, attends. On va tester un truc avant qu'il soit... voilà. Hop. Est-ce que si on part de là, ça marche? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. En même temps, il y a une petite plateforme, là. Moi, je dis, pousse ton pote et donne-lui un coup d'épée, genre là. Non, c'est pas assez haut. L'archer pour les planter sur les boutons. Ah, ah là, ah, c'est une bonne idée. Ah. Allez, un jeu musical. C'est pour payer les développeurs, allez. La danse des développeurs, vas-y. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Est-ce que vous voulez qu'on teste ce genre de jeu? Je le vois, je vois tout le temps des trucs passer et je me dis bon, ça a l'air bof. Mais après, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Ok. Tout droit, ça marche. Effectivement. Et paf, pastèque. C'est bien parce que comme ça, ils ont chacun leur minute de gloire, quoi. Salut Voldarion, comment vas-tu? Alors. Yes. On a vu à quel point c'était compliqué déjà tout à l'heure. Alors, attends. Si on glace le pote qui est là, par exemple, et qu'on pousse ça, là, ça tombe. Oh, ça tombe là. Mais nous, on meurt, évidemment. Ça paraissait logique. Ça paraissait logique. Eh bien, on va faire autre chose. On va faire... Salut Blanard, comment vas-tu? C'est cruel d'éplinguer ses camarades comme ça. Ouais, 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 toujours. Pouette, pouette. On va faire comme ça. Ok. Un petit sort comme ça. Hein. Ah merde, je l'ai pas poussé assez. Oh. C'est la mort. Tranquille, après avoir bossé de 4h du matin à 11h. Ah ouais, c'est des grosses journées, ça, Voldarion. Attendez, on rejoue. Non, c'est le rouge qu'on veut bouger. Yes. Ok. Maintenant, tu le pousses. Maintenant, il faut descendre là-dessus. Ensuite, on change de verso. Ça va être compliqué ce que je veux faire, je crois. Ok, maintenant on fait paf. Et est-ce que ça marche? Non. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Salut Guette. Pour ceux qui viennent d'arriver, tu peux, avec le magicien, glacer un pote.
tu peux, avec l'archer, tuer un pote ou l'accrocher sur un mur et Ah non, sinon il faut... C'est l'archer qu'il faut figer. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Et comme ça... Bon, on veut bien payer les développeurs, mais là, il y en a quand même un peu beaucoup. Voilà. Hop, ça va. C'était une qu'on pouvait passer rapidement. Alors, c'est l'archer qu'il faut... Ok. Donc, attends. On va faire comme ça. On va sélectionner... non ! Il fallait sauter ! Tu peux glacer les deux ? Oui, tu pourrais glacer les deux. Mais c'est beaucoup moins drôle que de se faire envoyer dans l'espace par... Non ? Ok. Si genre lui, je le gèle. Et là, je descends comme ça. Ok. Ensuite, est-ce que si je fais ça... Hop. Et que là, avec lui, on fait ça... On se laisse gentiment tomber par ici. On se retourne. Et paf! Ouais, bon, bah, c'est pas ça. Tu es tes potes, je l'ai tes potes. Super bonne soirée entre potes. Exactement. Bon, bah, on va tester le truc de Vlanar. Hein. À mon avis, tu avais raison. Il n'y a qu'une seule solution. En général, les jeux de casse-tête, c'est comme ça, hein, en même temps. Non! Obscur. On en met un là. Voilà. Ensuite, lui, on avance. Lui, on gèle. Là, on saute. On descend. On descend. Et maintenant, c'est la mort. Voilà. Celle-là, de mort. Classer les deux ensemble, meilleur idée. Yes. Voilà. C'est sensible, mais ça marche assez bien. Même si j'ai galéré sur le premier niveau. Mais c'est parce que je savais pas. Alors, évidemment, je pense que ce genre de choses n'arrive pas si tu es en mode Wi-Fi. Hein, voilà, qu'on se le dise. Qu'est-ce qu'ils font avec ces renards chelous ? Ils sont pris pour Pokémon. Regardez. Merge Magic. Non merci. Nique les pubs. Gommettre Adblock. Faut payer les développeurs, monsieur Dude. Tu fais ce que tu veux chez toi. Alors, comment on fait? Oh, ça y est, ça commence à devenir dur. Attends, réfléchir. Parce que si on gèle un pote comme ça et qu'on le pousse en glaçon. Ça marche au début, mais après tu meurs, voilà, on est d'accord. Ah, peut-être après tu peux... Oh, je sais, j'ai une idée. J'ai une idée. Est-ce qu'on peut... genre, tu fais comme ça. Et après, tu te pousses, tu changes, tu avances, et si tu fais ça... Ah, c'est beau. Regardez, on est tous les deux vivants. Yay! Salut Django Live, bienvenue! Alors! Nouvelle... bah, là, de toute façon, on ne peut que glacer Robin des Bois. Voilà. Donc on va glacer Robin. Ensuite, on va le pousser négligemment. Jusqu'à temps qu'il tombe et que nous, on meurt. Génial, on ne sert plus à rien. Non. Alors, ouais, mais nous, on est obligé de mourir en passant là. Et si on court? Ah non, c'est bon, ça marche. Yes. Oh. C'est quoi la capacité du guerrier à part
se sacrifier sans arrêt. Le guerrier, il a son épée et quand il te tape avec son épée, ça te fait faire un espèce de saut en cloche comme ça, Vlana. Alors, ensuite, nouveau niveau. La porte est là-haut, évidemment. Évidemment, on change de personnage. On ne peut pas sauter directement. Voilà, donc il faut qu'on se propulse. Maintenant, on a notre pote. Et c'est quoi ce truc bleu, là? Ok, c'est un truc qui nous gêne. Très bien. Et ben, il va se sacrifier, je crois, le guerrier, à nouveau. Avec notre ami l'archer, Gérard. Voilà. Comme ça, maintenant, on peut monter ici. Descendre. C'est faux. Ah, pourtant, t'es bien obligé de faire ça. Et tu fais quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que là, on descend, on meurt. Eh oui. Et l'autre, il se retrouve tout seul comme un con. Recommençons le niveau. Oh non. C'est la danse des développeurs et c'est la danse des développeurs. J'espère que ça leur apporte du fric parce que ça me casse bien les couilles. Voilà. Alors, moi j'ai la solution. Tu peux tirer une flèche direct sur le bouton. Sont intelligents. On peut tirer une flèche direct sur le bouton. Je crois que ça marche, ça? Aussi easy que ça? Non. Is not ok. Alors, réfléchir, Sibou, s'il vous plaît. What do we do? Je connais pas le jeu plus que toi. Ah non, mais y a pas de souci. Rapproche l'archer. Et je fais quoi avec l'archer? Tu peux enlever les pubs en enlevant tes données cellulaires et wifi. Oui, je sais, Evon. Je rigole avec ça. Mais sauf que si j'enlève le wifi, je peux plus vous streamer la tablette. Mais ça nous permet aussi de voir sur les jeux. Parce qu'on sait que c'est la rémunération. C'est pour rémunérer les gens qui fabriquent les jeux vidéo. Donc j'en rigole. Mais après, selon les jeux... Les pubs viennent pas à la même fréquence, etc. Et donc c'est intéressant de le savoir. Voilà. Tape avec le war. Rapproche l'archer, tape avec le war. Oh, et après l'autre il fait un glaçon. Ah yes, tu crois ça toi? Vas-y, on va tester ça. Genre comme ça. Ok. Et après du coup... Oh, bien joué. Bon, de toute façon c'était soit l'un soit l'autre, hein. Petite idée. Est-ce que tu balances l'archer, il toucherait peut-être le boulon. Une fois tombé, tu pourrais geler l'archer décédé. C'est ça. Mais non, t'as pas tout lu. Ah pardon, il va partir en cloche. Taper le bouton et arriver dans les pics, tu glaces le corps. Ah, je pensais qu'on le glaçait après. Mais non, effectivement, ça paraît logique. C'est ce que je voulais faire, mais je voulais le faire après. Parce que je voulais qu'il y ait deux survivants dans ce niveau. Pas un. Bon, d'accord. Un anti-pub sur tablette existe, il a l'air plutôt efficace. Et bonsoir Frédéric. Ok. Écoute. Je suis pas spécialement contre la publicité, mais avec parcimonie, comme on dit par chez moi. Alors. C'est par là qu'on grimpe. Tu fais ça. Ensuite, effectivement. Tu fais ça. Ensuite, le war. Hop. Hop. En plus, il fait le malin, le war, mais il va servir à décéder rapidement. Hein. Faut qu'on se le dise. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Pouette. Ensuite, tu fais ça. Ensuite, tu fais ça. GG. Salut Nymphalie et bienvenue à ceux qui arrivent. On découvre ce jeu qui s'appelle Total Party qui est un jeu d'énigmes, plateforme, tout ça. Pourquoi tu le glaces? Ah, c'est vrai que... C'est vrai qu'on peut se monter sur la tête des uns des autres. J'avais pas besoin de le glacer, mais... c'est plus confortable, écoute. Hein, Alors. Là. Fais voir. Où est la porte? Ok.
Sachez qu'on peut monter directement. Si je joue avec lui, un peu, tout le monde peut monter. En faisant attention au pic, c'est bon. Ok. Savoir dans quel ordre. On va faire un glaçon en premier. Ah, peut-être pas. Ah, mais ils sont pas tous comme ça, Poupiétance. Alors, si on fait un glaçon en premier, ça nous permet de descendre ici. Mais après, non. Alors, si, je sais ce qu'on va faire. On va faire ici. Genre. Ah non, ça va pas marcher ça. Puisque le l'archer, ça. Ça. Attends. Viens là, petit archer. Si je fais ça. Bah oui, ça va pas tout droit. Ah, mais peut-être ça suffit. Bah non. Si ça suffisait, le niveau serait tellement simple. Si vous... Parce que là, si je fais ça, que je le pousse, j'ai beau descendre ici. Là, je dead. Forcément. Allez, le lobby des magiciens, on est d'accord. Hein. Alors, Eh ben, différemment. Pareil, à l'étage du dessus, si vous. La même chose à l'étage du dessus. Genre comme ça. Clac. Ah, ben oui, ben non. Si tu meurs dès le départ, on n'est pas. On n'est pas bien luné. Ok. Ok, ok. Pouette. Ensuite, tu arrives ici. Et il faut que ce soit l'archer qui vienne. L'archer. Gérard. Voilà. Ensuite. Voilà. C'est le petit. C'est le petit Robin des Bois qui se sacrifie. Ensuite, on fait ça. On fait ça. On fait ça. Et maintenant, il s'agit de faire un saut de toute beauté pour ne pas mourir. Waouh! Est-ce que. La quantité de publicité ne va pas nous faire faire une émission un petit peu plus courte. On était à quel niveau? Attends, est-ce qu'on peut voir les niveaux où on est? Pause. Il y a un truc pour remove ad, hein, ceci dit. Peut-être tu peux payer. Ah oui, on a fait ça tout à l'heure. Et du coup, attends, je te dis, c'est combien? Parce qu'après, vous allez avoir mes coordonnées si je clique là-dessus. 4,49€. Si tu t'amuses bien, c'est cool. Par contre, on aimerait savoir combien il y a de niveaux, tu vois. Non? Je crois pas. Si tu peux mettre ta tablette en mode avion, en général, ça règle le problème des pubs. Oui, complètement. Hein. En général, il n'y a plus de pub quand tu es en mode avion, donc tout va bien. Et là, c'est que c'est le Wi-Fi que j'utilise pour vous restreamer la tablette. Il est sur Steam ce jeu aussi, il me semble. Ah ouais! Total Party Kill, regardons ça. Ouvrons Steam. Bibliothèque, non, magasin. Merde. Mon clavier est trop loin, obscur! Total Party Kill. 3,99€. Eh, mais il vaut moins cher sur Steam que sur tablette. Est-ce qu'on sait combien de niveaux il y a? Non, c'est pas marqué. C'est pas marqué. 60 niveaux. Il y a quelqu'un qui a commenté. Un petit puzzle platformer réussi à un prix correct, 60 niveaux. Mon seul regret, c'est sa durée de vie, mais je le recommande tout de même. Ah ben, il est bien, hein. Ça, on peut pas l'enlever. Hein. Salut Nyx, comment ça va? La magie, c'est pour les faibles. Et encore une fois, c'est quoi le scénario qui arrive à justifier le fait qu'on doive sacrifier deux potes pour que le magicien survive à chaque fois? Bon, allez, on fait un dernier petit niveau pour ceux qui viennent d'arriver pour que vous voyez un petit peu le principe du jeu. Ah, ça a tué la musique.
Non, mais on veut le son, nous. On aimait bien la petite ambiance, elle était cool. Oh, ça a enlevé le son. Ça va revenir d'un coup. Vous allez me détester. Alors, attends. À quelle distance on peut sauter? Ah, c'est une grande distance quand même. Hein. Moi, je dis un petit coup d'archer. Ah, c'est dommage. On n'a plus le son du jeu. Oh non! Regarde. Paf! Il va se sacrifier. Hein. Toi, t'es en mode corvée? Bah, bon courage, Nyx. Et ya! Ah non. Ça ne suffit pas. Mince. Comment qu'on fait? Non, hein, non, ça marche pas. Alors, comment on peut faire? Ah, peut-être. Non. Bah non, parce que tu vas mourir, mais tu vas mourir sur ton pote. Ouais, mais peut-être que si tu fais ça... J'avais espoir qu'il tombe juste à côté. Si tu prends un bloc de hauteur avec la glace... Ah, ouais, ça peut être pas mal. Alors du coup, c'est encore le sorcier qui s'en sort? On relance le niveau 13. Du coup, c'est l'archer qui doit... L'archer qui bute le guerrier, donc on dit ça. On met le guerrier ici, l'archer par là-bas. On fait comme as. Ok. Ensuite, on va se faire glacer les fesses par le magichoun. Pouette. On saute dessus. Et on court au saute. Ah. Attends, j'ai peut-être raté. Possible que j'ai raté. Surtout, on peut. Ah non, on pouvait avancer le glaçon, mais pas autant ça, Sibou. Salut, docteur Windman. Tu gèles le guerrier en premier, tu plantes le sorcier. Si ça tombe bien, c'est ce que je viens de faire. Ouais, les copains, j'aime bien, mais laissez-moi réfléchir un peu quand même. Hein. Je sais bien que, voilà, je mords pas, mais faites gaffe à votre cul. Ah, attendez. Pouette. Ok. Ok. Oui. Et ya! C'est bon, c'est réussi. Ah, par contre, la musique des pubs, elle est là. Ah, puis c'est le même que tout à l'heure, c'est la même que tout à l'heure. On est bien. Parce que si on je l'ai pas, en hauteur, ça passait pas. Attendez, je baisse parce que du coup. On va voir si ça a remis le son du jeu ou pas du tout. On n'en veut pas. Oh non, on a perdu le son du jeu. Bon, mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. YouTube, j'espère que ça t'a plu. Le petit jeu s'appelle Total Party Kill. Et n'hésite pas à nous rejoindre parce que Mobile Home, c'est tous les mardis à 18h. Sur twitch.tv/sibou_jscv. Une chaîne qu'elle est bien à regarder sur Twitch. À bientôt YouTube. Salut. Hey, salut. Tu veux découvrir des nouveaux jeux mobiles? Eh ben, c'est tous les mardis à 18h en live sur Twitch. T'as le lien dans la description. Et sinon, il se passe aussi plein d'autres trucs sur Twitch. Notamment, je te fais découvrir mon métier de comédienne voix off. N'hésite pas à passer nous voir. Tu verras, il y a plein de gens sympas dans la communauté. À bientôt.